c'est par le réalisateur des choristes. Avec Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Camérade de Richard et bien d'autres. Cadmérade et toute l'équipe du film Faubourg 36 se sont fait une petite virée promo sur les routes du Tour de France. Faubourg 36, dernier film de Christophe Baratier, est l'histoire de trois ouvriers du spectacle qui décident durant les élections printanières du gouvernement de Front Populaire de squatter le Music Hall où ils travaillaient et d'y monter un spectacle à succès. Sur un petit bout de chemin du Tour et à vélo, Première.fr et Télé7.fr les ont rencontrés. Mon personnage, c'est Jackie Jacquet. C'est un artiste qui s'ignore, que les gens ignorent pour l'instant, et qui rêve de scène, qui rêve de faire l'artiste. Voilà, dans ce film, avec Gérard et Clovis, l'ont fait revivre un music hall. C'est un garçon sympathique, comme moi, oui, un garçon proche de moi, très sympa. Moi, je m'appelle Nora Arnézéder, et je suis dans le prochain film de Christophe Baratier, où je joue le rôle d'une jeune chanteuse qui vient de Lille et qui arrive à Paris pour percer dans la musique. Donc elle n'a pas de famille, elle arrive avec rien. Et elle va faire la rencontre de trois chômeurs qui, eux, veulent sauver un music hall. Donc ça se passe donc en 1936, à l'époque de l'élection printanière du Front Populaire. Donc je resitue un peu l'histoire. Et donc ces trois chômeurs vont la prendre sous son aile, sous leur aile. Et je suis vraiment très très heureux parce que ça reprend beaucoup de données des choristes. Il y a l'émotion, il y a l'humour et il y a la musique. Alors c'est différent, c'est d'autres musiques. On avait un prof de chant, coach de danse, enfin on était très bien entouré, très bien préparé quand même. Donc c'était pas si difficile que ça, finalement. Qui dit Tour de France dit aussi podium. Alors après une bonne journée de vélo et de promo, toute l'équipe du film a l'honneur de féliciter les champions. Embrassades, serrage de main, applaudissements. On se dit que parfois la promo c'est beaucoup plus dur que le vélo. On y va ou on n'y va pas? Si on y va, c'est que on n'y va pas. Et si on n'y va pas, on y va ou on n'y va pas? Eh ben on y va.